Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de formation. On va voir comment vous pouvez créer votre espace de formation. Donc un espace de formation un peu comme celui que vous voyez dans cette vidéo, où les gens qui auront payé pour avoir accès à votre formation auront automatiquement un accès pour pouvoir regarder votre formation. Donc on va voir comment faire ça. On a déjà vu quel type de formation on pouvait faire, quelle formation vous pouviez faire, et on a vu comment vous pouvez créer des vidéos de formation. Donc si vous avez déjà vos premières vidéos de formation, notamment votre premier module par exemple, et on va voir comment vous pouvez les mettre sur votre espace membre pour pouvoir créer cette formation auxquelles les personnes auront accès. Alors pour cela, on va utiliser l'outil Learnybox dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est un outil tout en un qui vous permet de pouvoir automatiser un tas de choses, notamment la création de formations, l'accès aux formations, comment vendre ces formations, créer des prospects, gérer l'emailing automatiquement, etc. Et comme dans ce module, on va notamment voir comment automatiser les choses. Donc on va beaucoup utiliser cet outil Learnybox. Si vous n'avez pas encore créé de compte, je vous encourage à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir créer votre compte dès maintenant. Et on va voir comment vous pouvez créer votre espace de formation. Alors première chose qu'on va faire, plutôt que d'aller dans Formation, on va déjà aller dans Médias et on va déposer les vidéos qu'on a déjà créées. Par exemple, je vais dans Médias et je vais envoyer du coup les vidéos du premier module. Donc pour cela, il suffit de sélectionner les vidéos sur votre ordinateur pour les transférer sur Learnybox. Et comme vous le voyez, il y a maintenant les trois vidéos de mon premier module qui sont apparues. On va retourner du coup à la page d'accueil et on va aller dans Formation. On va créer une nouvelle formation. Donc on va choisir une thématique de la formation. Dans mon cas, ça va être un cours par exemple. Et on va choisir un thème parmi les cinq proposés. Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir quel type de formation vous voulez créer. Alors, est-ce que vous voulez une formation où vous définissez quand les modules sont accessibles? Par exemple, si vous voulez que les modules soient accessibles à des dates fixes ou à des dates par rapport à l'inscription de la personne. C'est très utile, par exemple, si vous faites une formation où vous voulez délivrer un module par semaine. Donc, vous pouvez très bien faire en sorte que le premier module s'affiche directement pour la personne, mais que le deuxième module sera accessible 7 jours plus tard, et le troisième module sera aussi accessible 7 jours après le module précédent, etc. Donc c'est très facile à mettre en place, et vous pouvez ainsi faire en sorte que la personne reçoive le contenu au fur et à mesure. La deuxième solution, c'est de faire des méthodes par cours quotidien ou hebdomadaire, et c'est là la personne qui va définir quel jour elle veut recevoir ses modules, et vous pouvez mettre des limitations sur le nombre de jours qu'elle peut choisir par semaine, par exemple. Ensuite, vous avez la méthode d'accès libre où la personne qui achète aura accès directement à toute la formation. Vous avez l'accès libre avec restriction, c'est-à-dire que la personne a accès à toute la formation, mais elle doit la faire dans l'ordre pour pouvoir débloquer les modules suivants. Et vous avez des méthodes par abonnement qui concernent en général plus les clubs privés ou les blogs à abonnement où des personnes auront accès à un certain contenu par rapport à leur date d'inscription. Par exemple, vous avez un club où vous donner du contenu chaque semaine ou chaque mois, eh bien la personne qui s'inscrira dans 3 mois, elle aura accès qu'au contenu à partir du mois où elle s'inscrit. Donc elle n'aura pas accès au contenu des mois précédents. Voilà, j'espère que c'était clair. Mais si vous voulez plus d'informations, vous avez juste à cliquer sur l'aide pour pouvoir avoir plus d'informations sur chacun de ces points pour pouvoir savoir si ça correspond à ce que vous voulez faire. Dans mon cas, je vais faire une méthode en accès libre, donc vous aurez accès à toute la formation au moment de l'achat. On va donner un nom à cette formation. Le logo, on le fera plus tard. On va pour l'instant s'arrêter là. Avez-vous un plan de formation? Oui, vous avez créé votre plan de formation, on l'a fait ensemble. Combien de modules? Ben, pour ma part, j'aurai 3 modules d'environ 3 vidéos à chaque fois. Je valide. Quels éléments est-ce qu'il y aura sur ma page? Alors, sur ma page, j'aimerais bien avoir un titre. J'aimerais bien avoir la vidéo et un peu de texte en dessous pour pouvoir vous donner des liens pratiques. On va démarrer juste avec ça, après on rajoutera si besoin. Donc là, vous avez un petit aperçu à quoi va ressembler la formation. Donc ici, le titre, ici, la progression. Et puis, en fait, les différents modules. Pour chaque module, du coup, il y aura plusieurs chapitres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va valider pour cette étape. Voir ma formation. Donc là, on arrive sur l'espace de votre formation. Ce qu'on va aller, c'est on va aller dans Paramètres et on va voir le contenu.
Donc comme vous voyez ici dans votre espace, vous aurez une page d'accueil, une page d'introduction, un module avec 3 pages, un module 2 avec 3 pages, un module 3 avec 3 pages. Et ce que je vais faire, c'est déjà modifier le titre de ce module. On va mettre module 1, ça sera créer votre formation. Voilà, on va valider ça. Et puis on va aussi mettre le titre des différentes pages à l'intérieur. On va voir les pages et faire de même. On va modifier, comme ça sera plus simple de s'y retrouver quand on sera dans la formation. Donc la première vidéo de ce module, ça sera quelle formation créer. La deuxième vidéo, dans cette deuxième vidéo, on va créer votre formation. Et dans la troisième, on va aussi la modifier, on va créer vos vidéos de formation. Voilà. Donc là on a donné un nom du coup à nos trois chapitres de cette formation et on va aller modifier la page pour pouvoir mettre la vidéo. Alors on peut aller ici directement dans modifier le contenu pour modifier le contenu de cette formation. Moi j'aimerais bien aller directement sur cette page, alors je vais passer par ici par construire et on va arriver directement sur la page qu'on veut modifier. Donc comme vous voyez c'est très simple, c'est une page qu'on peut modifier, on peut modifier directement le texte. On peut ajouter des éléments en faisant simplement glisser des éléments. Par exemple, si je veux rajouter une deuxième vidéo, hop, je peux rajouter une deuxième vidéo ici, etc. On n'a pas besoin de rajouter des modules pour l'instant, donc je vais enlever ce bloc. Et je vais retirer cette vidéo, puisqu'on n'aurait qu'une dans ce chapitre. Donc comme vous voyez, ici, j'aurais plus qu'à du coup modifier le titre, modifier le texte que je veux mettre en bas, si je veux mettre... du coup un résumé des choses à effectuer dans ce module, ou si je veux rajouter des liens pour que vous puissiez facilement accéder à certains sites dont je parle dans la vidéo, je vais le rajouter ici. Pour ce qui est de la vidéo, eh ben, on va simplement la modifier, donc on va cliquer sur cette vidéo, et on peut mettre un lien directement si la vidéo est sur YouTube. Vous pouvez mettre très bien les vidéos sur YouTube en non répertorié. Pour ma part, comme vous l'avez vu, je les ai déjà mis les vidéos sur l'Learnybox, donc on va aller récupérer les vidéos en faisant parcourir. Donc ici on a nos vidéos, on va prendre la vidéo et on va double cliquer simplement, voilà, et puis on va sauvegarder. Comme vous voyez, ma première vidéo est déjà en place. Donc c'est très simple, hein, vous avez juste à pouvoir modifier les éléments. Ici on a déjà le titre, alors à la limite on peut enlever ce deuxième titre. Voilà, on a déjà pu mettre en place du coup la vidéo du premier chapitre du premier module. On n'a plus qu'à faire de même pour les prochains chapitres. Du coup j'ai plus qu'à cliquer sur mon deuxième chapitre et on va directement accéder à la page de ce chapitre pour pouvoir ajouter aussi la vidéo. Donc là on fera de même, on va sélectionner, parcourir, on sélectionne ma vidéo, je vais faire un double clic et sauvegarder. De même pour la troisième page, on va sur la troisième page, je viens sur cette vidéo, je sélectionne la troisième vidéo et je sauvegarde. Donc là on a déjà nos trois vidéos, on peut retourner du coup dans notre module. Si vous revenez maintenant à votre page d'accueil et que vous allez dans formation, vous allez trouver du coup votre formation ici, et si vous faites visualiser, vous allez avoir du coup cette formation avec le premier module, module 1, créer votre formation, et vous voyez qu'il y a trois chapitres. Et vous avez vos trois vidéos. Donc très simple à mettre en place. Créez directement du coup votre espace de formation et vous pouvez déposer les vidéos que vous avez déjà créées. Donc vous avez un espace de formation professionnel où les personnes pourront automatiquement avoir l'accès une fois qu'elles auront payé. On va voir dans les prochains modules comment vous pouvez du coup automatiser directement pour que les personnes elles puissent avoir accès à ces modules dès leur achat. C'est très simple à faire avec Learnybox puisque en un clic vous allez pouvoir créer du coup toutes les pages nécessaires pour vendre, les emails, et les personnes qui achètent auront directement accès à cet espace de formation. Et vous allez voir tout ça dans les prochaines vidéos. A tout de suite.